Coucou à tous. Alors, je vais faire un petit tuto pour faire les petits rubans comme ceci. Donc, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc, je refais la vidéo. J'ai commencé à faire celui-là. Mais bon, je refais la vidéo. Si j'avais fait la vidéo avec... avec ma machine à coudre, mais ça va pas, donc je vais pas vous filmer quand je couds, c'est trop compliqué pour installer mon téléphone portable, et de toute façon vous voyez rien, donc ça sert à rien de le faire. Donc vous aurez besoin, alors j'ai fait mes fonds à la gel presse, donc j'ai testé le rouleau comme ça. Je préfère celui-ci, largement celui-ci qu'à celui-là. Bon, celui-là, on peut le reposer de ce côté-là. C'est pareil, là, il y a ça pour poser. Mais il va mieux à manipuler. Voilà. Donc, j'ai fait quelques fonds. Donc, il y avait le fond que j'ai fait en vidéo. Donc, j'ai fait celui-ci. 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 Et celui-ci. Donc on va couper des bandes dans le papier. Moi j'ai coupé un morceau. Ça, pardon. Il va m'embêter ce film. Je vais le mettre là-bas. Donc j'ai coupé des morceaux de tissu. Alors je sais pas combien j'ai en mètres, mais j'ai un bon paquet. Mais quand on plie et quand on coud, ça rétrécit bien sûr. Alors, on va prendre une feuille. Alors, vous aurez besoin. Vous allez faire des petites bandes. Donc, on va faire celui-ci. Ah, j'avais celui-là aussi. Un peu plus foncé. Alors, vous allez retourner votre feuille. Moi j'avais acheté un lot de règles comme ceci. Il y avait un pinceau dedans pour mouiller le papier. Donc du coup j'utilise ça. Après vous pouvez faire la main. Vous pouvez faire avec une règle simple. Il n'y a pas de souci. Donc vous prenez des. Si c'est plus petit les bandes ou plus grands, c'est pas grave non plus. Donc vous. Vous faites ça sur toute la longueur. Vous arrachez des bandes de papier sur toute la feuille. Vous faites ça jusqu'à temps que vous n'avez plus de papier. Bien sûr, là, c'est pas grave. Donc vous faites ça jusqu'au bout. Donc je vais finir et après je vous reprends. Voilà. Donc j'ai coupé, j'ai tout plein de bandes. Donc maintenant on va les accrocher ensemble. Donc vous prenez votre rouleau de colle et au bout, vous en mettez un petit peu et vous collez. Voilà, vous faites ça sur tous les morceaux de papier. Et vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y a plus de papier. Je ne sais pas si vous aurez vu sur un. C'est sur celui-là. C'est pas les mêmes papiers. Regardez. J'ai fait un mix. En fait, c'est tous des chutes qui me restaient de papier que j'ai fait sur un même tissu.
Voilà. Donc on peut en faire pas mal, hein. Déjà rien qu'avec une feuille, là, avec l'autre feuille, il me reste un bon bout de... Désolée pour le bruit. Vous pouvez pas faire pas mal, quoi. Donc je fais ça et après je reviens. Voilà, j'ai fini d'accrocher toutes mes feuilles. Après, je prends mon tissu. Je prends des pinces comme ceci. Et on va essayer. Enfin, on va centrer après. Après, si c'est plus bien centré, c'est pas grave. Et on va prendre. Alors. Comme ceci. Et on plie comme ça. Voilà, on revient. Et on fait ça jusqu'au bout. Bien sûr, pour pas lâcher, à chaque fois, on prend une pince. Et on met une pince. Comme ça tient le travail qu'on a fait déjà. Et pour coudre, c'est plus pratique. Désolée, j'ai pas les mains toutes propres, j'ai fait de la peinture avant. Donc voilà. On pourrait le faire directement devant la machine, mais moi je préfère comme ça. Je préfère préparer mon travail avant et j'ai essayé sur la machine, j'arrive pas. Je préfère comme ceci. Là, je vais vous montrer jusqu'à temps ici. Là, ça va. On voit pas le pli du papier, donc on continue. J'espère que au prochain. On va tomber sur le pli, sinon bah, mon autre vidéo que j'avais fait m'est tombée directement sur le pli. Donc là, je vais essayer. Je vous garantis pas. Il arrive bientôt. Alors, va-t-on arriver? Je pense. Alors là. Ouais. Là. Là, ça se voit pas tellement. Mais s'il y a du papier qui dépasse, vous prenez le papier et vous déchirez un petit peu pour pas qu'on voit la. Le papier en fait, mais là ça va, c'est pas trop gênant. On essaye de que ça se voit plus. Donc je fais tout le reste. J'ai une petite pause, comme ça prend pas beaucoup de temps sur la vidéo. Me revoici. Alors j'explique bien parce que je crois que je me suis mal exprimée. Alors on fait pour ceux qui voyez. Comment ça fait ce côté? Donc je fais avec mon doigt derrière, je mets sur mon doigt comme ça et j'appuie. Je prends avec mon doigt derrière, pareil, je vais vers mon doigt et j'appuie. Voilà, ça fait des petits. Un petit accordéon. Voilà. Donc on va finir.
Donc je vais faire ce que j'ai en papier. Je vais les coudre. Donc du coup, vous aurez une petite surprise. Donc je vais en faire gagner donc à deux personnes. Donc en fonction de ce que j'aurai en ruban, je demanderai à la personne d'en choisir. D'en choisir. Je ne sais pas combien, parce qu'en fonction. Je demanderai quelle couleur elle aura préférée et je lui enverrai. Donc, suivez bien. Donc, je ferai une deuxième vidéo. Donc, je ferai une deuxième vidéo où je vous montrerai tous mes petits rubans comme ceci, tout cousu. Et je ferai deux gagnants. Voilà. Donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que je fais pas un petit peu mon concours, mais sur la prochaine vidéo, donc vous me direz si vous participez. Enfin, participer, non, je veux pas que ça soit noté participer. Vous me dites juste quelle couleur vous préférez. Je mettrai des numéros. Ouais, je mettrai des numéros au ruban. Et ouais, je mettrai des numéros au ruban, donc le 1, le 2, enfin en fonction de combien j'en ai. Et vous me direz les chiffres que vous préférez. Et après, je ferai un tirage au sort. Voilà. Mais je veux pas, je participe. Je veux juste que vous notiez les couleurs que vous aimez. Voilà. Je referai une autre vidéo après celle-ci avec tous les rubans que j'ai fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite pour la vidéo finale. Gros bisous!